Bonjour, je vais vous montrer de quelle manière je planifie mes séances photo-vidéo time-lapse. Alors pour ce faire, on va se rendre sur Google, on va chercher photographe éphéméris. Voilà, ce qui est génial avec cette application, c'est qu'on peut l'ouvrir directement sur le PC, sans téléchargement. Et voilà, à partir de là, on va chercher la zone où on veut photographier. Donc moi, ça sera le château du Kirchberg à Ribeauvillé. Voilà, on va affiner la recherche. Maintenant, on va chercher les châteaux, parce qu'il y en a trois. Donc, ils sont ici. Donc moi, je vais photographier ce château-là, château du Kirchberg. Et je vais le photographier à partir du Saint-Ulrich. Voilà, on se place dessus, on va affiner la position. Et voilà. Et à partir de là, maintenant, on sait à partir du 21 avril que le soleil va se lever à cet endroit-là. Par contre, on va chercher à quelle heure exactement il va se lever. Donc il va se lever à 6h30. Et puis voilà, donc déjà en amont de tout ça, moi ça me permet de savoir quel objectif je peux utiliser, vu l'écart entre le château et le lever du soleil. Et pour prouver tout ça, je suis allé faire la photo ce matin. Et voilà, donc le château est bien ici, le soleil se lève bien dans la distance approximatif qu'on peut voir sur la carte. Et voilà qui est une bonne application pour préparer ces reportages. Maintenant on va passer à un petit exercice pratique. Donc moi ce que je veux maintenant, c'est me placer sur cet axe à Strasbourg qui est directement en face de la cathédrale de Strasbourg. Donc en somme, ça donne ça. Je vais me placer sur ce pont là pour photographier cet axe-là, faire un time-lapse nuit-jour avec les voitures qui défilent et le soleil qui se lève pile poil derrière la cathédrale. Alors pour ça, on va se rendre sur la carte, on va chercher le pont qui se situe ici et là. En date du 21 avril 2018, le soleil se lève dans cet axe-là à 6h27. Moi, je veux que le soleil se lève, je vais préparer mon reportage, en fait, mon time-lapse, que le soleil se lève ici, derrière la cathédrale de Strasbourg. Alors, pour ça, on va chercher la date. Bon, moi, je la connais à peu près, c'est au mois d'octobre, vers le, je sais plus exactement, 19 peut-être. Cathédrale, elle est là, on n'y est pas, on va reculer dans les dates, 18, on recule, et voilà. Donc, là, je peux savoir maintenant, si la météo est clémente avec moi, que le 14 octobre 2018, le soleil se lèvera pile poil derrière la cathédrale de Strasbourg à 7h47. Et donc je pourrais me placer sur ce pont là, bien avant hein, bien sûr, à 7h, préparer tout le matériel et préparer mon time-lapse des voitures qui défilent nuit, jour, et j'aurai le lever du soleil pile poil derrière la cathédrale de Strasbourg. Voilà, c'est super ça, non?